Allez, je vous propose qu'on fasse le tour des superbes annonces de l'Open de Las Vegas, avec des sorties pour Warhammer 40K, pour Age of Sigmar, pour Blackstone Fortress, et puis également pour Underworld. Et puis pour Underworld, ben vraiment là sur le coup, ça me fait plaisir. Allez, c'est parti. Et on commence donc évidemment avec Warhammer 40K, hein. La surprise viendra de mars. Je dois vous avouer que ça m'a autant déstabilisé que convaincu. Les Adeptus Mechanicus sont prêts pour le plus grand déploiement de renforts depuis leur lancement. Alors l'idée est simple, hein. Vous prenez des Skitarii et vous les faites chevaucher des cybermontures. Et puis alors en plus, de toute évidence, ça va pouvoir cracher du feu. Dites bonjour au Cerberis. Alors je vous l'avais dit, hein, c'est plutôt inattendu. Hein, en plus, ça va être utile pour faire des charges sur les Star Destroyers. Mais private joke. Mais bon, blague à part, je trouve que l'inspiration du côté de Wild West Exodus me paraît presque évidente. Ce serait pas la première fois qu'ils le font. Alors la suite m'a un peu moins convaincu avec les Pteraxis. En fait, la tige de soutien, hein, ne me semble pas très bien intégrée. Mais je sais qu'ils me feront mentir à partir du moment où on les verra en vrai. Par contre, l'inspiration des croquis Léonard de Vinci, je trouve que c'est une super bonne idée. Ce sont des unités de soutien idéales pour la liste des Adeptus, hein, qui va être capable de pénétrer, de prendre des cibles clés, permettant au reste des troupes d'avancer. Du coup, ben, ces nouvelles unités, hein, sont toutes deux disponibles en deux kits. C'est toujours pareil avec Games, hein, histoire de devoir en acheter un max pour pouvoir couvrir toutes les possibilités. Pensez aux aimants. Les règles de ces unités seront disponibles dans Engine War. Le dernier épisode, hein, de la série Psyker Awakening. Alors on n'oubliera pas également le retour de Mekari, qui sera de toute évidence accompagné d'un grand truc tout vert qui crie Warg. Mais bon, il va falloir être encore un petit peu patient, peut-être plus d'infos ce week-end. Allez, on va passer à Age of Sigmar avec les seigneurs du royaume de Limes. Et puis avec leur infanterie, alors ils rappellent les lanciers des hauts elfes, hein, qui constituaient de nombreuses armées de Warhammer classiques. Mais ma première pensée, elle a été pour le Seigneur des Anneaux et puis le gouffre de Helm. Alors, Alves a une longue tradition également, hein, de cavalerie. Les Wanari, hein, envoient quand même du lourd avec leurs lances, ils sont à mi-chemin entre des Spartiates et des elfes, et franchement, là aussi, j'adore. Ça va vraiment péter les yeux au niveau couleur, mais ça s'y prête vachement bien. L'une des plus belles sorties de Las Vegas, c'est sans doute ce héros, qui semble banal à première vue, mais en fait, quand on le regarde bien, bah, on se rend compte que l'armure est totalement vide. Et c'est juste génial de pouvoir faire ça. Regardez bien la figue, c'est vraiment top, parce qu'en fait, toutes les armures, elles sont tenues soit par un dernier bout de l'armure d'avant, soit par la cape. Et ben, je sais pas, pouvoir produire des pièces comme ça, moi je serais la concurrence, ça me filerait la nausée, quoi, sérieusement. Et que dire, hein, de Teclis? Bon, ben, pendant des années, hein, ce mage a honoré les tables, hein, les livres, les jeux et bien sûr notre imaginaire sous toutes ses formes. Et ben, en 2020, il va revenir dans un modèle qui sera vraiment digne d'un dieu. Le griffon qui l'accompagne est juste magique, encore une pièce qui se justifie à elle seule. Côté Battleton, on aura le retour des Séraphons, hein, le nouveau Battleton exporte pleinement les origines, et bah, on espère avec les nouveaux décors également que ça arrivera assez vite. Allez, on va aborder Underworld, puis vous le savez, moi, la dernière extension, Beast, ne m'a pas vraiment convaincu. Je trouve pas que les figurines soient très très belles, surtout les toutes dernières sorties avec ces espèces de ghouls. Mais là, eh ben, je pourrais peut-être changer d'avis. Alors, du coup, on va avoir l'arrivée du Wurmspath. Hein, c'est une bande de Rodbringer répulsifs, composée de deux putrides et d'un sorceleur. Ce groupe pourrait changer la donne. Je sais, c'est mal de s'arrêter à la figurine et juste à l'esthétique, mais c'est une histoire de feeling. Et puis, bah là, bah, je parais partant. Alors par contre, hein, ceux qui ne se sont pas lancés dans Blackstone Fortress, je pense qu'ils ont fait une erreur.
parce que là, de toute évidence, on nous sort quelque chose qui va vraiment finir de compléter la gamme, et ça va peut-être ouvrir des perspectives pour la suite. Autant dire que c'est du lourd, les OAT vont apparaître, et du coup, on se prête à rêver aux tyrannides dans le jeu. Les OAT pourraient les introduire. Sur la chaîne, on suit le sujet, croyez-moi. Donc, étant donné que moi j'ai pas mal suivi la gamme, si ça vous intéresse qu'on refasse des parties de Blackstone dans un let's play, voire un live, eh ben, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Allez, hein, je vous laisse sur les dernières merveilles de la Forge et le King's A hein, de Horus Heresy. N'hésitez pas à me donner vos commentaires hein, sur ces sorties, qu'est-ce que vous en avez pensé, lesquelles vous hype le plus. Et puis ben, moi, je vais m'attacher à suivre un petit peu ce qui va se passer ce week-end et à vous tenir au courant des sorties. Allez, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Ciao!